Bonjour à toutes et à tous. Le but de cette vidéo, c'est de répondre à la question où acheter la batterie pour voiture essence la moins chère possible et neuve. Elle s'adresse particulièrement aux propriétaires de petites voitures à essence, faiblement équipées en appareils électriques à consommation raisonnable, par exemple. Tout ce qui est 106, AX ou Citroën Saxo, ce genre de véhicule. Voilà, donc j'ai eu récemment besoin d'acheter une batterie et j'ai commencé une démarche d'investigation pour trouver le meilleur prix. Donc on parle de batterie aux alentours de 470 ampères en 12 volts. J'ai contacté un magasin d'usine à Montpellier. Qui m'a donné un prix de 80 euros. J'ai trouvé ça particulièrement surprenant pour un magasin d'usine, puisque en général ils sont les moins chers, et en fait là non, puisqu'en grande distribution, donc tout ce qui est Courfa ou Nototo ou Fevor, on est sur 70 euros minimum. Meilleur prix que j'ai trouvé dans la grande distribution, 70 euros. Une autre solution consiste à acheter une batterie régénérée, donc une batterie d'occasion. Il y en a des tarifs particulièrement attrayants sur le Leconboing, tous les sites de petites annonces de vente en ligne. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas à l'avance le vendeur, on n'a pas de retour. En général, il y a une garantie d'un mois, mais une garantie d'un mois, c'est pas grand-chose, surtout en hiver. Vous avez besoin que votre batterie ne vous lâche pas. Et puis bon, si jamais il y a un problème avec la batterie, qu'il faut la ramener, en fait dans l'histoire, vous ne gagnez pas d'argent, pas vraiment. Donc ce genre de batterie régénérée, ça va être entre 20 et 40 euros pour les plus petites. Donc pour une batterie à 470 ampères. La batterie la moins chère que j'ai trouvée, c'est sur Internet. Donc c'est vraiment une batterie que j'aime bien parce qu'elle est minimaliste. Il n'y a aucun autocollant dessus. Les informations qui se figurent dessus sont des informations strictement utiles concernant le voltage, l'intensité. Donc j'ai trouvé une batterie à 30 euros sur Internet qui convient parfaitement. C'est une batterie neuve, donc du neuf à 30 euros, moi je trouve ça très bien. Alors je mettrai bien sûr dans la description les références de la batterie ainsi que le site par lequel je suis passé pour les commander. Vous verrez, il y a beaucoup de personnes qui ont laissé des avis sur ce produit avant. C'est un peu pour ça aussi que je me suis décidé. C'est qu'il y avait visiblement rien à... Que du positif à souligner. Ce qui est un petit peu dommage avec ce site internet, c'est que il a choisi comme livreur une entreprise qui vous facture 15 euros la livraison de la batterie à 30 euros, ce qui est juste énorme en comparaison. Et puis donc cette société de livraison qui s'appelle Geodis, on vous la vend comme une solution un peu idéale au moment de l'achat. On vous dit c'est génial, une fois que vous avez commandé, vous allez choisir, vous allez convenir avec nous, programmer un rendez-vous, vous choisirez le jour et l'heure. Mais en réalité, pas du tout. Vous choisissez le jour. Alors je dois reconnaître que c'est assez rapide à partir du moment où vous avez payé, vous êtes contacté 3-4 jours pour convenir d'un rendez-vous. Mais en fait, vous choisissez le jour. Et une fois que vous avez choisi le jour, on vous dit, bah très bien, on va passer entre 9h et 18h. Alors je trouve ahurissant qu'en 2016, on en soit encore à ça, c'est-à-dire on vous dit, on va vous livrer entre 9h et 17h. Quand mes parents commandaient un canapé ou un lave-linge quand j'avais 8 ans, c'était déjà comme ça. Je trouve ça moyenâgeux au niveau logistique. Donc, en résumé, ce que je vous propose, c'est une batterie pour voiture essence 12 volts, 470 ampères pour 45 euros. Tout compris, livré en 5-6 jours et neuf, bien entendu. J'espère que cette vidéo pourra vous être utile et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.